نبدأ إن شاء الله. بسم الله السيد عبد المجيد، مرحبا. على بركة الله. دونك بسم الله الرحمن الرحيم. ديجا غير اون شوز اللي خاصنا نعرفوها، سي فغي كو سي اون بلاتفورم اللي كتعطينا الامكانيه اننا نديرو بو بريبار ان اكزام اون ليني، ولكن راه حتى واحد ما غادي يعني غير بيرسون بو ني بينا راه ما يمكنش تعوضنا البريزونسيال، كيبقاو عندها لي كونترانت ديالها. حنا غنحاولوا ما امكن اننا بوغ سيغني ليكزام يدوز في دي كونديسيون اللي هما بريسك نورمال، سي با فاسيل. لان كاع واخا نعطي ليتيديون كاع باش يدوز في هاد لابلاتفورم ونفيجي له ليكخون ما يتحركش حتى شي بلاتفورم وحده اخرى، يقدر يجيب حدا ان اوتخ بي سي ويقلب كيما بغا. دونك هادي غير اللي غير جو فاتيغ فوتر اتونسيون لهاد المساله هادي، يعني نحاول ما امكن الاستاذ وهو كيحط ليكزام ياخذ بعين الاعتبار هاد المساله هادي، يحط واحد ليكزام في واحد لا دوغي دو طون اللي فريمون يجيبو مقاد. لا لا ماشي تما ما يخليلوش الوقت باش يعني يمشي يقلب في بلاصه اخرى ولا يا لا بلاتفورم بيرمي دو كونترولي ان تي بو. زي ياسين واخا السلام عليكم اخوان، الله يخليكم طفوا الميكروات ديالكم. فوالا جوستومون سي سكو جو لي فيغ. الله يرضي عليكم تو الموند، حبست الميكرو ديالو الله يجزيكم. نو لو رياكتيف با حتى غير باش ما نكونش شوفاش ميرسي. Alors, comme je l'ai dit, la plateforme il permet un petit peu de figer l'environnement. L'étudiant il peut détourner la plateforme, il peut faire ce qu'il veut ailleurs. Alors, donc, on a un peu de la plateforme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, les plateformes, il exige avec le email institutionnel, un email de l'établissement. Surtout que la fac, l'établissement il est déjà déclaré par l'email institutionnel. ما يمكنش غادي يقبل شي واحد اخر اللي ما كانش عنده ايميل انستيتيوشنال. الوغ غير نذكر داكشي اللي قال سي محمد توتالوغ، هي لا بلاتفورم اللي غادي نخدم معكم دابا نخدموا ان شاء الله اونصومبل. هي سيت اون بلاتفورم بالنسبه للاساتذه اللي بغاو يديروا ان اكزام اللي فيه ليتيديون فا ريديجي، اللي فا ريديجي ان تكست دو ريبونس، يكون عنده ان اكزيرسيس او دو وغادي يكتب لا ريبونس ويصيفطها للاستاذ. دونك على لا بلاتفورم يل بريفوا دو سوليسيون بلا اون بو لي ميكسي. Il peut répondre directement sur la plateforme, comme il peut écrire la feuille, il peut scanner par son téléphone avec la feuille qu'il a rédigée à la main, ou il l'a upload à la plateforme. Ce n'est pas la peine de l'envoyer sur l'email. Il y a un problème quand l'étudiant a un téléphone, même que le sujet sur la plateforme en même temps il scanne. Parce qu'il doit scanner un QR code, QR code qui est attaché à la plateforme. Alors on va voir ça directement, donc je vais vous montrer comment vous faire ça. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Partager. Donc, vous arrivez à voir mon écran? Alors, oui. Voilà. Oui, oui, oui. OK, merci. Alors, voilà. Ça, c'est bon, donc je vais essayer de me déconnecter carrément. Voilà. Alors, donc, qui m'a dit, la plateforme, il y a... exam.net. Donc je le tape dans la barre d'adresse quand il y a de l'interface. Alors donc on a la plateforme d'Ilié. Alors on a c'est l'interface loulania. Quand on a fait deux volets, le volet étudiant, le volet enseignant. Maintenant on va rentrer que en tant qu'enseignant. Bien sûr l'étudiant voit une seule utilisation de la plateforme, il ne peut que passer l'examen. La plateforme ne les comptes des étudiants, mais donc des comptes sur la plateforme. Seuls les enseignants ont un nombre de comptes sur la plateforme. Donc, je vais me connecter, taper mon email, le mot de passe, et je mets connexion. Très bien. Donc, une fois connexion, je suis sur la plateforme. Alors, on a fait la plateforme, il présente des onglets. Donc, le premier onglet pour créer un nouvel examen. On a la liste des examens que j'ai déjà créés. Donc, on peut les voir. Donc, je peux accéder les examens que j'ai déjà créés pour les modifier, les valider, les fermer, les ouvrir, ainsi de suite. On a un onglet pour surveiller les examens d'Yaouli. Peut-être un examen qui est en cours à Rakhdam. Alors, je peux le surveiller, l'onglet Hada, surveillance résultat. On a mon école pour voir les collègues qui ont des comptes avec moi de l'école. On a le profil d'Yaouli, ici pour se déconnecter. Ici, c'est de l'assistance. On a pour créer un nouvel examen. Alors, on a pour créer un nouvel examen. En fait, c'est une création et c'est un paramétrage. Donc, je paramètre l'examen d'Yaouli, on peut préparer. Alors, déjà, je commence par donner un nom à l'examen d'Yeli. Alors, je vais lui donner un nom, par exemple, examen test. Voilà, c'est le premier volet à paramétrer. Ensuite,
question de l'examen, la façon par laquelle je veux remettre les questions aux étudiants. Alors, la plateforme, il prévoit quatre types de façons de remettre les questions. La première, il n'y a pas de question d'examen numérique, ça veut dire quoi ? Bien, le seul qui est l'examen, il faut avoir un support papier, support physique, qui est fait pour le drari, ou moi qui j'ai au bout de la plateforme. Je vais faire le chéri. Le deuxième cas, c'est utiliser un fichier PDF, ce qui veut dire que le Ustad, le petit handiello, moujdo un fichier PDF, qui est uploadé, qui est le drari, il faut avoir un drari. Il est sur la plateforme, donc il peut défiler avec le fichier pour voir les exercices les pour répondre. Ou là, carrément rédiger des questions d'examen au lieu de présenter le fichier PDF, il peut directement éditer avec l'examen XVO. Et directement on a l'option copier-coller, c'est-à-dire copier maintenant le fichier Word, copier ou coller. Alors la troisième façon, plutôt la quatrième façon, c'est dédié pour le cas des QCM. Et le cas des QCM, donc on a qui est de la notation automatique, la plateforme peut faire la notation vers la fin. Mais c'est pas le cas. Mais puisque la plateforme exam.net a des limitations au niveau du QCM, c'est pourquoi on ne l'a pas adopté. Donc on l'a adopté pour le cas d'un examen à rédaction. C'est le talab à rédiger. On a le premier cas par exemple. Donc on a utilisé un fichier PDF. Donc je vais chercher un fichier PDF. Bon, moi je l'ai déjà préparé. Donc, je choisis, je cherche dans mon ordinateur l'emplacement où j'ai mis mon fichier. Je sélectionne mon fichier, ouvrir. Voilà, j'attends un moment, à l'aise de la taille de mon fichier, il va être uploadé. Donc, j'attends. Donc, sinon, qu'il y a un problème, je peux choisir un autre PDF. Voilà, le fichier il est uploadé. Voilà, il y a l'examen de les questions de dialogue, fait des graphiques, un fichier PDF, simple. OK? Donc, je peux carrément choisir un autre document PDF pour l'ajouter ou bien pour changer. Une fois, c'est le bon document, je vais le mettre ici, fermé. Ça y est, les questions sont uploadées, sont présentes. Ramkini. Alors, je continue le paramétrage de mon examen. Voilà une partie importante. Alors, puisque les étudiants ont un compte sur la plateforme, donc à chaque fois qu'ils veulent passer l'examen, ils doivent s'identifier. Alors d'abord, en tant que professeur, je suis en train de paramétrer mon examen. Alors je vais donc on a le prénom, le nom, l'email dialo, peut-être la classe dialo, le nom de l'enseignant dialo, peut-être un observer les enseignants qui interviennent le même module là, le nom de l'enseignant, numéro de téléphone et l'identifiant de l'étudiant. On a l'identifiant qu'on voit le code apogée ou le code masar dialo. Donc hado c'est impérativement pour identifier la copie dialo. Alors, on a anonymisé l'examen. Bon, on a les copies, ou mais les noms, il peut activer. La plateforme, il prévoit de l'anonymat. Vers la fin, il va l'enlever. Je vais les copies, l'identité. On ne va pas l'utiliser, donc ce n'est pas la peine. Sauf que le cancel librairie, il peut l'activer. OK, alors le troisième paramétrage. Le troisième paramétrage, c'est très important. Alors, je demande votre attention un petit peu parce qu'il y a des éléments qui sont vraiment intéressants. Ce sont les outils que je vais mettre à la disposition de l'étudiant pour passer son examen. Je nomme les outils. Alors, premièrement, une zone de rédaction. Une bonne partie sur Asila. Rédigeob. Chassouah de l'espace fin rédigeob. Un espace d'édition. Donc, puisque je dois activer. Il dit ce qu'on en vert. Zone de rédaction, c'est la zone dans laquelle l'étudiant va taper les réponses aux questions que j'ai données. Alors, on a comme un soutien, donc je peux prévoir carrément, par exemple, vérifier l'orthographe. Donc, à mon avis, ce n'est pas la peine de vérifier l'orthographe. Il est pour résoudre ainsi de suite, ce n'est pas la peine. Donc, ce n'est pas la peine pour vérifier l'orthographe. Sauf qu'il y a quand même une matière, par exemple, qui exige à ce que l'orthographe dise ce qu'on est correct, je peux l'activer. Donc, le français, je pense qu'il est disponible. Alors, une chose très importante, il y a de la nouvelle, scanner les solutions écrites à la main avec un téléphone portable. Et là, il est un abri de l'étudiant, écrit sur le workout ou scanner, il y a la possibilité en plus, écrit sur la zone de rédaction ou scanner. Donc, je dois activer. Une fois j'active, donc je vais donner la possibilité à l'étudiant d'écrire sur le workout, il écrit le job. Peut-être que c'est un exercice de développement, il doit développer une problématique, une certaine problématique. Ou je dois scanner le workout. Alors, je dois activer l'option, je dois scanner le téléphone.
Oui, c'est la, la réponse d'elle. Donc, la réponse d'elle, elle va être jointe. Les autres réponses, si jamais elle a, elle a rédigé quelque chose, elle va être jointe. Voilà, donc c'est très important de l'option elle. Ensuite, des outils, bon, outils d'accessibilité, je pense que ce n'est pas la peine. Offre une aide à la traduction si jamais il veut traduire les synonymes en anglais, une synthèse vocale pour l'aider à comprendre. Peut-être les gens, les mecs qui se fouchent bien, bon, c'est pas la peine, je pense, c'est pas la peine. Un fichier audio, si jamais je veux leur donner des questions orales, donc je peux enregistrer un enregistrement audio ISMR et questions orales, bon, c'est pas la peine. On a l'option outils de matière, de la matière, c'est très important. Il n'a qu'à sortir des outils pour le, l'étudiant. Alors, par exemple, si jamais avec les, l'examen d'IELI, fait l'étudiant, il doit dessiner. Alors, je peux lui offrir un outil de dessin. Alors, pour lui offrir cette possibilité, je dois l'accrocher. Il y a un outil pour dessiner des graphiques, peut-être. Alors, une calculatrice, si la, la calculatrice est autorisée, donc ce n'est pas la PNJBMA, je peux activer ce qu'on a une calculatrice, il peut l'utiliser. OK. Mieux encore, il y a des outils mathématiques. Alors, PAL GeoGebra, PAL Desmos, ce sont des outils mathématiques. Les maths, donc, je peux l'activer. Elle est à la disposition de l'étudiant pour l'utiliser. Donc, c'est un outil. Le Reconiban, un double interface. OK. Alors, il y a des formules mathématiques. Il y a peut-être donc, les formules mathématiques de base, basiques, donc les formules usuelles, les marofines, il est brit n'ati homlo. Donc, je peux cacher, cocher plutôt basique ou avancer les formules mathématiques avancées, bon, toutes les formules très connues ou là, très compliquées. Je peux lui donner ça. Sinon, je peux mettre aucun nir ce qu'on a à fond, donc ce n'est pas la peine. Mais, alors, on s'appelle le NES qui est la programmation. Sauf que là, c'est limité un petit peu. Il y a maintenant un examen de programmation et je veux donner la possibilité à l'étudiant d'avoir un petit compilateur pour compiler son code pour s'assurer que c'est bon, c'est le message. Ou alors, qui la restriction, ou non, il n'offre que JavaScript et Python. C, C++, MATLAB ou autre, mais qui n'est rien que JavaScript et Python. Donc, on a un dirouage. Alors, si jamais qu'un des documents à remettre à l'étudiant, il est connu, on a la feuille de la question, on a un autre document, peut-être des abacs, peut-être des graphiques, peut-être chez Hazel, on a un autre. Donc, je clique à la ressource, je peux uploader un fichier PDF, par exemple. Donc, on a uploadé, cliquez là, je cherche le fichier, je vais le joindre à la feuille de la question. Sinon, on peut donner une adresse d'un site web à consulter, une vidéo à consulter, donc je peux l'ajouter. Sauf qu'il y a des ressources externes. Donc là, bon, faites le cas, il n'y a rien. Donc, je ne vais pas lui donner de ressources. Alors là, le volet de la sécurité, on l'a parlé tout à l'heure, pour figer l'écran à l'étudiant, alors on a la plateforme, il prévoit, en fait, on n'a rien que deux niveaux de sécurité, un petit peu mélangé. On va dire, soi-disant, trois niveaux de sécurité. Le niveau le plus haut, le mode de sécurité poussé. Alors, le mode, il exige un petit peu un type de matériel, un type de logiciel, ce qu'on a de l'étudiant. Il y a maintenant un smartphone, le Wakadim Chichouya, Maradish Khadouloga, Maradouch Lemtihan. Sur les ordinateurs, il doit disposer de Windows 10. Il y a un de Windows 7. Quand on a un problème, il doit télécharger le plugin du système pour que le mode sécurité puisse fonctionner. Donc, il a marre, il n'a pas besoin de l'examen. En plus, le navigateur, c'est des types de navigateurs bien spécifiques, mais il y a des navigateurs, sauf que le navigateur reconnu comme Daisy. Donc, le mode assez poussé, c'est vrai, le test, c'est bien. Qu'il fige l'étudiant, mais il peut utiliser quelque chose d'autre dans le PC dialo. غير هذاك ليكزامان ديالو غير الانترفاس ديال ليكزامان فقط ما يخرج حتى شي بلاصه اخرى ولكن كما قلت لكم توتا لا راه يقدر يستعمل التليفون ديالو يقلب دونك بون سي سي ان بو ليميت alors هذا سي لو برومي نيفو لو دوزيام نيفو دونك اوتوريزي نيمبورت كان نافيغاتور مي بريفير لو مود سيكوريتي هنا الا سي جو شوازي هذا لو نيفو هذا يعني لي سيدون كتعطي لو شوا كونت يل فالونسي ليكزامان كيطلع لواحد ان ميساج اسكو تي فو اكتيفي لو مود سيكوريتي او نو Il a activé le téléphone qui est supporté ou le PC du droit de supporter, sinon il est bloqué. Il a activé, je vais dire le mode normal, le mode de sécurité de base. Alors dans ce cas, c'est l'examen sur n'importe quel navigateur qui se met le mode de sécurité de base. Mais il y a un mode de sécurité de base, il y a le contrôle. Si jamais l'étudiant il a quitté l'interface de l'examen, l'enseignant va être avisé. Il y a un message comme quoi l'étudiant il a perdu concentration sur l'examen. Et là, la plateforme il prévoit des sanctions ou bien des réglages pour le mettre pour le mode de base, le mode base de sécurité. Alors là, donc, on a plusieurs choix. Donc, je peux demander une explication, mais débloquer immédiatement.
يعني الاستوديون فاش الى سي لا طونتي دو كيتي لانترفاس ديال ديال ليكزامان غادي يطلع له ان تي ميساج اون بوتيت فونيت غتقول له بوكو تي فو كيتي ليكزامان هو il doit donner علاش السبب علاش يقول par exemple je veux faire ça ou bien je fais il doit expliquer pourquoi une fois qu'il va envoyer automatiquement غادي يرجع ليكزامان ديالو هي demander une explication mais débloquer immédiatement une fois il va envoyer la réponse il va il peut continuer sinon l'enseignant donc aviser l'enseignant mais ne pas bloquer l'étudiant et on va aviser l'enseignant ou l'étudiant a dit comme le problème qui est noël on a une notification de l'enseignant comme quoi l'étudiant a il a perdu concentration sur l'examen il a ouvert quelque chose ou qui a détecté les moments qu'il a quitté l'examen pendant 7 secondes pendant 10 secondes pendant une minute qui a détecté la durée pour pendant laquelle il a quitté l'examen à être chargé l'interface de l'examen sinon donc on peut le sanctionner en trouvant une explication. Une fois qu'il reçoit l'explication dialo, il va rester figé pendant 30 secondes. Mais il peut changer comme l'examen dialo, peut-être 30 secondes, pas une sorte de sanction. Sinon, 60 secondes. Sinon, 90 secondes. Ok. Sinon, donc là, on va demander l'explication au plutôt l'enseignant ou elle va débloquer. Il aime un déblocage manuellement, il va bloquer. Donc, il va ce qui veut dire que l'ancien, c'est qu'on enveille les étudiants au cours de l'examen. Si jamais je suis il a s'il a choisi le monde à si jamais je suis ouvert, la plateforme au Brayerja, Rahoual est reçu débloqué. Mais Kader Chik, mais Kader Imchi, il chauffe, il calme Marasato. Ou les Kinder Charge à l'imtihan, là, c'est l'enseignant qui doit le débloquer. Sinon, aucun mode, même dire Tashi Haja, mais aucun contrôle, aucune notification, derrière de Wouz, il y a Marasato, il n'y a pas de problème. C'est ce monde-là. Alors bon, on va choisir par exemple le mot 30 secondes. C'est tout. C'est tout ce qu'il a comme paramétrage. Donc là, je peux créer l'examen. L'examen va être créé. Voilà. Donc là, il va me guider directement sur la liste des examens. Ici, on va voir les examens que j'ai déjà créés. Alors, le dernier examen que j'ai créé, c'est celui-là. Yallah, créé Makoum d'abord tout à l'heure. C'est examen test. Alors là, je peux le voir. Donc là, c'est le nom dialo. C'est le code que je dois remettre les étudiants. Alors, je peux l'agrandir. Donc, voilà, c'est le code que je vais remettre les étudiants pour passer l'examen. Qui m'a dit tout à l'heure, parce qu'il y a l'étudiant, donc, on va mettre une autre fenêtre. Par exemple, c'est pas ici. Exam.net. Exam.net, je vais le faire. Alors, en tant qu'étudiant, il va taper le code. Donc, le code est là. Ce code-là, il va le taper dans la fenêtre. Il va taper pour commencer l'examen. Voilà, donc revenons. Alors, c'est le code que je dois remettre. Alors, il y a un bouton très important. C'est celui-là. Le code, je peux l'envoyer aux étudiants deux jours avant la date de l'examen. Ou là trois jours, ou là bon, ça dépend. Ah bien, avant l'examen, quand on sait ton nombre, il faut faire attention. Maintenant, je ne dois pas ouvrir l'examen. Il n'y a pas l'étudiant avec le cours de rôle de l'interface pour passer l'examen. Tant que je n'ai pas ouvert l'examen, mais il n'y a pas de chez deux autres. Cliquez pour activer, donc pour ouvrir l'examen. Êtes-vous sûr de vouloir rendre l'examen accessible aux nouveaux étudiants? Oui, ouvrir. Alors, cette fois-ci, l'étudiant là, le code, il peut passer l'examen. Donc, là, l'enseignant, il doit faire attention. انا نعطي لو كود لي ستوديون نحل ليكزامان في لو مومون فاش انا متفق مع مثلا كنقول بني ماغدي ا 10 ما نفتح هذا لو كود حتى الماغدي ا 10 مون بيرسونيل مون شنو غادي ندير مع الطلبه غادي نتكونيكتا معاهم في زوم باغ اكزومبل وحتى يكونوا حاضرين كاملين وهاد لا كلي هادي لو كود ديال ليكزامان غنصيفطها لهم في زوم وتكونيكتاو ديك الساعه اون فوا تكمل لا ديوري ديال ليكزامان ما كندير معاهم انا ساعه الا ربع اون فوا تكمل 45 مينوت جو فيرم ليكزامان. Donc, je vais forcer les étudiants à soumettre leur réponse et je vais fermer l'examen. Donc, il est quand tu as dit que c'est sévère et l'examen est ouvert. Si c'est comme ça, c'est fermé. L'examen n'est pas ouvert, les étudiants ne peuvent pas le passer. Donc, on a la date de création, on a le statut, on a le type de sécurité. Alors, on a c'est le type de sécurité le plus bas. On a c'est le plus fort pour cet examen-là. C'est un type de sécurité plus fort. On a c'est moyen entre les deux, donc par le choix des étudiants. Alors, on va continuer. Alors, faites les trois boutons qui sont. Alors, celui-là, c'est pour éditer l'examen si je veux changer soit le contenu, soit le paramétrage de l'examen. Donc, le bouton, il va me rendre la page de modification.
هنا pour la surveillance حنا غنشوفها tout à l'heure. هذا le dernier point c'est pour prévisualiser l'examen كيفاش غادي يكون عند l'étudiant, comment il va le passer. Alors on va faire un test. Alors je clique هنا غير l'étudiant, plutôt c'est l'enseignant qui voit. هو اللي كيشوف كيفاش غادي يدوز l'examen. C'est comme ça, une fois l'étudiant va lancer l'examen, هادشي اللي غادي يشوف. Prévisualiser l'examen en tant qu'étudiant, commencer l'examen. Voilà, il va cliquer. Donc voilà, il commence l'examen. Donc comme vous pouvez le remarquer, à la partie liée de faire les questions, il est dit à les questions du haut. Voilà la partie dans laquelle il peut répondre. D'abord, هادشي راه côté étudiant, ماشي l'étudiant, هادشي اللي غادي يبان. Voilà, donc là, il peut voir voilà les questions, un graphique de questions, de la première question. Donc ici, il peut commencer à répondre. C'est quoi la question? Quelles sont les amplitudes? En gros, maintenant, je peux répondre l'amplitude, ainsi de suite, absolument bien. Voilà, il peut passer à la deuxième question pour répondre. Là, il dispose de tout un outil d'édition de texte. Par exemple, Hadi, pour la mettre en gras, si jamais il a besoin de caractères spéciaux, alors on donne les caractères spéciaux pour insérer des caractères spéciaux. Si jamais il veut insérer carrément une équation mathématique, on donne un éditeur d'équations mathématiques. Bien sûr, si jamais il veut insérer un tableau, donc il a la possibilité d'insérer un tableau carrément. Voilà. Donc là, c'est la zone d'édition. Il peut répondre ici. Donc, c'est la zone d'édition. La zone le fort qui fait les questions, ou on doit le choix de la position soit comme ça horizontale, soit il peut les mettre en verticale comme ça, de cette façon là. Il y a les questions à gauche ou il joue à droite comme il veut. Ok, donc là c'est l'examen. Alors la troisième partie, il est dit هادو هما les outils les oustads ou zdlo. Donc comme on l'a dit, les oustads ou zdlo ne sera même pas le voilà la calculatrice, l'outil de dessin, le scanner la solution. Là, bon, chat avec le professeur, je fais pas. Donc, la calculatrice, il peut utiliser la calculatrice, faire les calculs qu'il veut, donc de la façon qu'il veut, bien sûr. Ici, l'outil de dessin, donc il peut cliquer dans une zone, choisir l'outil de dessin, voilà, dessiner ce qu'il veut comme dessin. Bon, l'exercice est en train de répondre à l'exercice. Avant, je vais choisir ici, par exemple, de tracer le rectangle, peut-être. Ou là, bon, je fais n'importe quoi. Un test pour dire comme quoi, il a dessiné quelque chose, il peut écrire carrément du texte, ainsi de suite. Une fois qu'il a fini, il peut enregistrer. C'est ici. Enregistrer son dessin. Voilà, enregistrement de l'image. Voilà, l'image a été placée dans la zone d'écriture. OK. Pour montrer l'examen, voilà tout ce qu'il a dessiné, il est ici, donc il est disponible. Très bien, donc là c'est l'outil de dessin. Alors, l'autre solution, les gouna les donner tout à l'heure. Si jamais quand un développement, il veut voir la démarche par laquelle l'étudiant l'a résolu avec l'exercice, alors supposons qu'il aura activé la résolution dialogue quelque part, donc il va choisir scanner la solution. Alors, cette fois-ci, il doit disposer d'un téléphone connecté à Internet, bien sûr. Donc, Adimchi, il va lancer le scan de téléphone Diallo. Donc, je suis en train de faire la même chose de téléphone d'Elidebana. Je ne sais pas si je fais la vidéo. Alors, je vais scanner le code. Le code, il a été scanné. Au téléphone, je vais scanner la solution. Alors, je vais faire bon, la solution. Comme ça, je vais écrire une feuille. Voilà. Scanner la solution. Voilà la solution Diallo. Il va la scanner. Il va l'uploader. On aura la question de sécurité. Il va donc télécharger. Il va appuyer sur télécharger. Voilà. À un certain moment, il va peut-être un code de sécurité. Je sais que c'est lui qui a scanné. Il y a un téléphone. Il y a un PC pour demo. Voilà. Entrer le code. Voilà le code ND690. Voilà. C'est bon. Voilà. On aura l'examen. On aura ce qu'il a scanné. Il est disponible ici. Voilà, la solution de l'électif, elle est disponible. Donc, la copie de l'électif, elle est disponible sur la copie de l'étudiant. Voilà, ça c'est pour le scan. Sinon, il peut chatter avec l'enseignant si jamais il a besoin de quelque chose. Il peut bon, demander, monsieur, est-ce que... Bon, n'importe la question de l'électif, le professeur, il peut lui répondre. Une fois qu'il a fini, donc, c'est vrai que ici à gauche, c'est l'heure actuelle de le système. La plateforme ne prévoit pas l'enseignant, il doit forcer les étudiants à soumettre leurs réponses.
Alors, supposons un abarque le work, c'est un exam de série, c'est un job de l'assiette de l'écamline. Donc, je peux soumettre l'examen. Je clique ici, soumettre l'examen. Voilà, donc l'examen il est soumis. Donc, c'est fini. Comme d'abord tout à l'heure, nous avons quelque chose à faire. Côté étudiant qui fait ça, c'est une prévisualisation de l'examen qui fait ça avec l'étudiant. Très bien. Alors, pour surveiller une fois, surveillons ces résultats. Je vais surveiller mon examen. Alors d'abord, j'ai la page de surveillance de mon examen. L'examen d'Yeli, le nom d'Yelo. Je peux voir les examens qui sont démarrés. Chal, Benouahed. Maintenant, j'ai 30 ouahed ou 50 ouahed qui est 12 en même temps. L'examen qui sont soumis, les salaux ou donc les salaux qu'on a dit, on a l'adat d'Yelhom. L'examen qui est en cours, les mazal masalaux, c'est qu'on a dit l'adat d'Yelhom. Ou qui m'a l'achetou, on a dit que le bouton de l'examen d'Yeli n'est pas ouvert, la barre est fermée. Très bien. Alors, ce que je peux faire l'examen, au cours de l'examen, l'examen à Khaddam, je suis en train de le surveiller. Là, il y a la partie là, qui est ben, les notifications des étudiants. Et là, si vous avez un ou deux qui est là. Ben, donc, on peut le simuler tout à l'heure. Alors, par exemple, pour la simuler avec vous, donc, l'examen, je vais carrément copier plutôt la liste des examens. Pour copier le code. Voilà, l'examen dit le WADA. Je vais copier le code. Voilà, code copié. Bien sûr, je dois l'ouvrir. Je suis disponible. Ouvrir. Je suis disponible. Voilà, l'étudiant d'abord. L'étudiant aura fait l'interface. Il va saisir le code de l'examen. Il va cliquer sur suivant. La partie de l'identification de la copie. Il va cliquer sur suivant. Il va cliquer sur le nom, le prénom, ainsi de suite. Donc, le prénom, mon prénom, par exemple, on a mon nom, on a mon email, identifiant qui m'a donné avant, c'est le code apogée, n'importe. Et je clique sur, bon, il doit cliquer sur chercher l'examen. Voilà, bonne chance, commencer l'examen. Voilà, dès que je l'ai fait tout à l'heure, où est-ce que c'est? D'abord, on est en tant qu'étudiant qui est en train de passer l'examen. Alors, votre accès à l'examen a été bloqué temporairement. Vous n'êtes plus en vue de la zone d'examen. Mais on dit que je suis en train de passer l'examen. C'est le motif. Et demander à être débloqué. Puisque je le paramètre à 30 secondes, et qu'on me dit 30 secondes. Je vais faire l'examen. OK. Alors, là, il a mis le stade à te belle en notification qu'on le bente comme quoi l'étudiant tel a acheté ce que vous voulez à l'étudiant tel a l'examen a été chargé à de la date à de l'heure la concentration sur l'examen a été perdue pendant 30 secondes ou elle dit la concentration sur l'examen a été perdue il est perdu jusqu'à maintenant l'étudiant n'est pas encore revenu pour faire l'examen avec chez les débats mais elle marche. Donc, il est en train de compter le temps. Donc, on a dit le motif. Voilà le motif. Il y a une trentaine de secondes. Ou là, c'est le paramétrage que nous avons tout à l'heure. 30 secondes, 60 secondes. Ou là, l'oustad est débloqué. Il a été le motif. Manuellement, il y a un peu de bal. On a dit 300 étudiants. Ça va être très difficile. Pour gérer, on peut paramétrer avec une sanction de 30 secondes, ça dépend. Peut-être que la durée de sanction, je peux continuer la réponse. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, je peux continuer la réponse. Donc, je peux. Alors, bien sûr, les réponses, je ne les ai pas perdues peut-être. Là, plutôt à le contraire qu'un des tests. Donc, on a l'étudiant, puisqu'il y a la juste en train, il y a la trotte l'étudiant. Donc, réponse, la réponse, Dieli, réponse 1, réponse 2. Bien sûr, je peux faire encore assigner un test avec le scan de la solution. Donc, je prends le téléphone Dieli, l'étudiant, pour scanner. Voilà, je scanne. Donc, je mets le téléphone, l'écran du PC. Voilà. Voilà, scanner la solution. On a petite fille à chez Hazafra, comme quoi, voilà, ma solution, je suis en train de la scanner. Voilà, je valide. Je vais envoyer un code de sécurité.
هنا voilà, le code il est là, donc 678, c'est bon, voilà l'image. Ça y est, je peux voir la feuille de l'examen d'Yeli, voilà l'image, elle est là. L'étudiant est en train de répondre, une fois qu'il a fini, il va soumettre l'examen d'Yeli. Il va soumettre l'examen d'Yeli. Voilà. Merci pour votre envoi. Alors, on a envie de dire comment encore le test. Non, c'est pas ça. Voilà. Si jamais un autre étudiant veut passer, c'est pas comme ça. Donc, c'est notre le code pour faire le test. On a un rajal hadi. C'est des examens. Je vais copier ça vers le chisalaliana pour le coller. Ctrl V. Suivant. Le nom, n'importe quoi. Le prénom, n'importe quoi. L'email, n'importe quoi. At, n'importe quoi. L'identifiant. Non. Ici, c'est un at. Je vais le chalèche. Chercher l'examen. Commencer l'examen. Voilà, donc je suis obligé de perdre la concentration à l'examen. Les Kenadin Michel Nagel Bachibelli pour la surveillance de l'examen d'Yel. Qu'est-ce qui s'est passé? Très bien. Alors d'abord, les choses ils ont changé. On dit deux examens démarrés. Un est soumis, un en cours de passage. Alors qu'est-ce que vous étudiez? Alors quand je vous dis qu'il y a un point d'exclamation rouge, comme quoi il y a un certain problème. Hada, donc il a déjà soumis, ou on dit l'historique d'Yel. Voilà, donc là, l'examen a été chargé fait l'heure, fait la date, fait l'heure. Là, il a été soumis fait la date. Ou là, Fouqach, il a perdu concentration et le motif. Donc, afficher plus, je ne trouve pas que je colle pas de motif. Et c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure, là, un accept motif. Donc, là, j'ai perdu il a perdu concentration fait la date, plutôt fait l'heure. Voilà le motif. Il a encore perdu la concentration pendant 37 secondes. Voilà le motif. Voilà donc pour cet étudiant, donc je peux télécharger sa copie format PDF ou bien format Word qui m'abrite. Donc je peux la télécharger. Voilà, je peux l'enregistrer carrément quelque part, indique le disque, bon, clair document, enregistrer. Voilà, comme ça je peux récupérer les copies, une chauffeur de la copie d'Yeli, de l'étudiant. Voilà, l'étudiant. Les Smith Hada, le code à projet Diallo, le nom, le prénom Diallo, l'email, le nom de l'examen, le nombre de mots, ainsi de suite, la date de l'examen, on va de la réponse de l'étudiant. Je vous dis qu'il a scanné tout à l'heure, il est là. Donc la copie, elle est disponible. L'étudiant. Voilà. Donc je reviens ici. Donc je peux le télécharger comme sous format Word, ainsi de suite. Alors, M. Hada, l'étudiant, il a un problème. Donc, il a perdu concentration. Donc, il a perdu concentration. Alors, motif de Alash. Ou Hassuitna pendant 30 secondes, parce que c'est le paramétrage Liderna tout à l'heure. Donc, je dois attendre avec les 30 secondes. On va dire, comme elle a la soumission, donc, il a maintenant fait le waqt, Liderna maintenant qui m'a dit tout à l'heure, l'examen fait 45 dqiqa. Ou cela, 45 dqiqa. La plateforme, il y a un peu chez les étudiants, donc l'enseignant, le prof, ou elle est de la main d'arrêter l'examen et de forcer la soumission des étudiants. Donc on va les forcer. C'est ça, forcer la soumission. Donc il est en train de répondre, ainsi de suite. Il fait, il répond. Alors, bon, je suis obligé de lui quitter. Alors d'abord, l'étudiant, je vais forcer la soumission des étudiants. Donc, voilà, Mazal Khaddam, il est en train de répondre. Au sol de Wax, Mazal, il y a une chose très importante, comme tout à l'heure, je peux établir un minuteur pour les étudiants. Il faut que je démarre l'examen. Donc, l'examen a 45 minutes.
ولكن راه سوني غير كاين انديكاسيون لي ستوديون على دالا يعني انا غتحبس لهم لا غير ريغلي لو طون فوالا باش لي ستوديون نقدر نرجع هذا من بعد طومر كو ميم ان تي مومون ديك 30 سكوند باش تبان له يبان له داك لو كونتور فو بوي لو فوار ايسي لو كونتور كيبان له هنا ولكن هذا لا يعني انه فيغ لا فان راه حيت وصل الوقت غادي تقطع له اوتوماتيكمون لا راه غير كتعطي اون انديكاسيون بان راه باقي لك 44 دقيقه انسي سويت انسي هو اشاك فوا يل بو فوار vers le bas, mais je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre. Mais c'est lui qui doit forcer la soumission des étudiants qui me disent que je vais le faire. Je récupère les copies de l'homme. Donc on va le faire tout de suite. Mais on va le faire. Quand même, on va quitter. Tant pis. Alors là, il est en cours. L'étudiant est en cours. Alors je peux forcer la soumission. Dialo. Forcer la soumission de l'étudiant. Sinon, on va faire carrément plutôt l'examen cool, former la soumission pour tous les étudiants. Donc, en même temps, on va faire un peu de temps en cours, alors je peux forcer la soumission. Ou bien individuellement, donc je choisis l'étudiant, ou quand je suis individuellement pour forcer la soumission. Sinon, je pourrais cliquer sur l'examen, je peux forcer la soumission pour tous les étudiants. Alors, si je clique ici, OK, عطيني لا بوسيبيليتي. Est-ce que tu veux exclure quelqu'un? يعني مثلا واحد ليتوديون ولا دو جاوا معطلين نقدر نزيدهم 5 دقائق. Je peux les exclure. Sinon, je peux procéder par la soumission de tout le monde. C'est bon. Alors tout le monde est soumis. Donc ainsi donc de cette façon là je peux récupérer les copies de l'homme qui m'a montré tout à l'heure sous format PDF, sous format Word, je peux les enregistrer sur Drive Diary. Alors donc je pense là j'ai essayé de balayer le tout. حاولت ما امكنني نشوف كل شيء معكم لا سول وحده اللي ما درتش معكم ولكن راه بحال الاخرى فاش كندخل لي ليكزامان جو ليكري نقدر كاريمون ندير دي كوبي كولي من الوورد ريديجي دي كيسيون ديكزامان هنا نقدر نجيب من الوورد جو بو كولي سي نمشي للوورد نفتح ان دوكيمون وورد عندي باغ اكزومبل ها ديجا مفتوح دونك جو بو كاريمون بلي غرافيك اي تو جو بو كوبي كولي كوبي لي كيسيون دان سول كو كوبي on met la plateforme d'ali ici contrôle V à les questions des les graphiques les images tout carrément et je peux donc insérer la plateforme les questions voilà donc je pense que c'est tout si jamais qu'on a des questions marhaba.